Découvrez comment utiliser le kit Happy Waxing by Perron Rigaud. Suivez nos trois étapes simples. Étape 1, mesurez. Référez-vous à notre fabuleux tableau de mesure des pastilles. Facile à suivre ? Utilisez simplement les grandes et petites cuillères pour mesurer la quantité de pastilles de cire dont vous aurez besoin. Pour les demi-jambes, versez 3 grandes cuillères de pastilles de cire Happy Waxing dans la cuve amovible rose. Placez la cuve rose dans le chauffe-cire. Ne versez pas de cire directement dans l'appareil. Utilisez toujours le contenant métallique rose. Étape 2. Chauffez. Branchez votre chauffe-cire Happy Waxing. Placez le couvercle et mettez-le en marche. Laissez fondre la cire pendant 20 à 30 minutes. Pour assurer une chaleur uniforme et obtenir une texture crémeuse, remuez de temps en temps la cire avec une spatule en bois. Vous remarquerez peut-être que le voyant rouge du chauffe-cire s'allume et s'éteint. Ceci est normal et maintient la température du chauffe-cire. Il est possible de toucher le chauffe-cire sans se brûler, par contre, faites attention, la cuve métallique sera chaude. Avant l'épilation, appliquez une petite quantité de cire, de texture crémeuse, sur l'intérieur de votre poignet à l'aide de la spatule. Si la cire est trop chaude, trop liquide, éteignez le chauffe-cire et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Ensuite, remettez-le en marche et effectuez un nouveau test de température. Étape 3, nettoyez, préparez et épilez. Pour l'épilation des demi-jambes, installez-vous sur une assise plane et stable ou sur le sol, protégée par votre drap de protection. Nettoyez la zone à épiler avec la lotion purifiante Clean Happy Waxing à l'aide d'un mouchoir ou d'un coton. Examinez le sens de pousse du poil. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que vos poils soient assez longs, d'au moins 2 mm. Préparez la peau en appliquant une goutte de l'huile nourrissante Prepare Happy Waxing. Massez l'huile du bout des doigts jusqu'à pénétration. Essuyez à l'aide d'un mouchoir. Trop d'huile pourrait empêcher la cire d'adhérer correctement. L'épilation des demi-jambes se fait en 3 parties pour respecter le sens de pousse des poils. L'avant de la jambe, appliquez la cire de haut en bas en commençant par le bas de la jambe. L'arrière intérieur, pliez votre jambe sur le genou de la jambe opposée et appliquez la cire en biais de l'arrière vers l'avant. L'arrière extérieur, étirez votre jambe vers l'extérieur. La cire s'applique aussi du côté vers l'arrière. Vous êtes maintenant prête ! Plongez la spatule dans la cire, essuyez le dessous de la spatule contre le bord intérieur de la cuve pour éliminer l'excès de cire. Tournez la spatule plusieurs fois sur elle-même pour empêcher la cire de couler. Commencez l'épilation sur l'avant de votre jambe. Appliquez une petite quantité de cire Happy Waxing en un mouvement lisse et continu dans le sens de pousse du poil. L'application doit être fine, laissant un bord plus épais qui rend la cire plus facile à soulever lors du retrait. Tournez votre spatule sur elle-même pour décrocher la cire et éviter les fils. N'appliquez pas la cire trop épaisse, car elle mettra plus de temps à sécher. Pas besoin de bande de coton ? Laissez la cire durcir quelques secondes. Touchez la cire pour vérifier qu'elle soit sèche et prête pour le retrait. Maintenez votre peau avec une main. L'épilation sera beaucoup plus confortable. Avec l'autre main, soulevez le bord de la cire et retirez-la d'un geste souple et rapide en restant parallèle à la peau, dans le sens opposé de la pousse du poil. Pour l'arrière des jambes, pliez votre jambe sur le genou de la jambe opposée. Appliquez la cire en diagonale en partant de l'arrière vers l'avant. Retirez la cire, toujours parallèlement à la peau, dans le sens opposé de la pousse des poils. Pour terminer l'épilation, étirez votre jambe vers l'extérieur. Appliquez la cire en diagonale, en commençant du côté vers l'arrière de votre jambe. Retirez la cire de la même manière, toujours parallèlement à la peau, d'un mouvement souple et rapide. Après l'épilation, appliquez la lotion purifiante Clean Happy Waxing. Appliquez une goutte d'huile nourrissante Prepare Happy Waxing et massez la peau pour apaiser et enlever les résidus de cire. Vous avez réussi ! Toutes nos félicitations ! Éteignez l'interrupteur et débranchez votre chauffe-cire Happy Waxing. Laissez la cire durcir. Il n'est pas nécessaire de nettoyer votre cuve. Elle est prête pour votre prochaine utilisation. Il suffira d'ajouter des pastilles de cire Happy Waxing. Rangez votre chauffe-cire Happy Waxing avec son couvercle pour protéger votre cire. Notre astuce ? Si de la cire tombe sur votre appareil, l'huile nourrissante Prepare Happy Waxing peut être utilisée pour le nettoyer. Assurez-vous d'essuyer ensuite votre chauffe-cire car l'huile peut le rendre glissant. À bientôt pour une prochaine expérience Happy Waxing.